Hello, hello tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo review qui traite aujourd'hui d'un de mes styles de jeu préférés, à savoir les MMORPG. Et aujourd'hui, on va parler de Revelation Online, titre publié par My.com et qui est en bêta ouverte depuis lundi dernier. Pour ma part, j'ai acquis un pack fondateur, donc je ponce ce jeu depuis un peu plus d'une semaine maintenant, et je vais donc vous faire part de mes impressions, sachant que je n'ai pas touché encore au contenu vraiment endgame que sont les raids ou les gardes de guild, ce qui rend donc mon avis partiellement incomplet sur le contenu du jeu. On est parti! Premier point, parlons graphisme, esthétique et optimisation. Le moteur graphique du jeu est très clairement assez vieillot, alors le titre en soi n'est pas moche non plus, bien que certaines textures font très années 2000 pour le coup. On est donc assez loin des visuels proposés par les derniers MMO du moment comme Black Desert Online. La distance d'affichage est aussi relativement limitée, et sachant qu'on a la possibilité de voler, cela donne parfois un clipping assez moche au loin, mais c'est un détail. Par contre, le jeu est esthétiquement parlant très bien fait, et je me suis surpris à vouloir capturer des panoramas dont le rendu était magnifique. D'un point de vue optimisation, autant le jeu ne tourne pas trop mal quand il y a peu de joueurs à l'écran avec un 60 FPS constant, autant dès qu'on arrive dans une zone un peu bondée, le framerate chute assez rapidement, ce qui nous oblige parfois à masquer l'affichage des autres joueurs. J'ai pourtant une bonne machine, mais dans l'état, le PvP de masse vous obligera certainement à masquer vos ennemis et les animations des sorts, ce que je trouve assez regrettable pour l'immersion. Bref, on est sur un jeu esthétiquement très réussi, mais dont le moteur graphique souffre de quelques lacunes d'optimisation et de texture. Continuons sur l'aspect graphique en parlant de votre avatar, sa personnalisation et ses animations. Pour ceux ayant joué à Blade & Soul, vous aurez un peu l'impression de jouer à un jeu plagiat, puisque la création du personnage est directement pompée sur ce jeu. Votre personnage est très clairement typé asiatique, par la forme du visage et les choix visuels proposés, ce qui pourrait déplaire à certains. Mais globalement, l'éditeur de personnages est assez poussé pour pouvoir créer un avatar qui vous plaira, et, point qui personnellement me ravit, vous empêchera de faire des personnages disproportionnés, ce que je trouve important pour l'immersion. Du côté des animations, on est là aussi dans un jeu assez proche de Blade & Soul, puisque vous aurez la possibilité de sprinter, de courir sur l'eau et de faire des multisauts, le tout avec un style très animé. Par contre, pas de possibilité de marcher sur les murs. Vous aurez aussi la possibilité d'utiliser des montures et des ailes avec lesquelles vous pourrez aussi sprinter. Le rendu est vraiment bien et j'apprécie beaucoup les petits détails d'animation qui ont été ajoutés, comme par exemple le fait que votre monture ne sprinte pas totalement droit mais fait des écarts sur sa trajectoire, ce qui rend l'animation moins plate. De même, quand vous volez, votre personnage jouera dans les airs ou avec le sol dans le cas où vous ferez du rasmode. L'animation est très clairement un bon point du jeu, qui vous fera apprécier de vous déplacer ou de combattre avec votre personnage. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, à savoir dans un premier temps le gameplay puis le contenu. Donc le jeu propose actuellement sur la version européenne 6 classes. Je repose sur la trinité classique, nous avons donc un tank DPS qui est le Vanguard, un off-tank DPS CAC qui est le Bloodmaster, un caster magique avec le Sword Mage, un caster physique avec le Gunslinger, un healer DPS avec le Spirit Shaper et un assist heal DPS avec l'occultiste. La version chinoise a vu l'arrivée d'un assassin il y a peu, mais nous ne sommes pas prêts de la voir sur la version européenne. Le design des classes, bien que classique, est tout de même assez cool. Le style de chaque classe est bien défini, et vous n'aurez absolument pas l'impression de jouer la même chose en basculant d'une classe à l'autre. Visuellement, les classes sont aussi très réussies, que ce soit le look de leurs armes et armures, ou les animations de combat. Le gameplay peut être choisi soit en mode classique à la tap targeting, soit en mode avec un viseur plus dynamique qui vous permettra de lancer des sorts via le clic gauche et le clic droit de votre souris. Il y a aussi un mode de déplacement à la souris qui sera peu utilisé je pense. Du coup, du point de vue des combats, qu'est-ce que cela donne? Honnêtement, c'est du très classique. Ne vous attendez pas à un gameplay aussi profond qu'un Blade & Soul ou un Black Desert Online. On est ici beaucoup plus proche d'un WoW-like. La plupart des sorts peuvent se lancer en bougeant, ce qui rend les combats assez dynamiques. Dans le ressenti, je suis assez proche d'un Wildstar, les télégraphes en sol au moins. Vous avez aussi un système d'esquive avec une barre d'endurance pour pouvoir sortir rapidement d'une AOE ou créer de la distance avec un ennemi. Bref, c'est pas révolutionnaire, mais c'est très bien géré, c'est fluide et c'est joliment animé. A côté de ça, vous avez la possibilité de personnaliser les statistiques de votre personnage, ce qui permet de construire des builds plus axés offensifs ou défensifs. Vous disposez aussi de techniques spéciales que vous pourrez choisir et améliorer selon vos préférences. Bien que des builds opti apparaîtront sûrement bientôt que tout le monde copiera, cela reste un aspect que j'apprécie beaucoup dans un RPG. Du coup, avec ce personnage, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire dans ce jeu ? Tout d'abord, parlons de la phase leveling. Ce jeu propose actuellement jusqu'à 79 niveaux, au travers desquels il sera très très long de progresser. Vous avez ici un jeu dont la phase leveling se fera sur des mois. Elle va se décomposer en deux phases, le leveling pré-level 40 et au-dessus. Le leveling pré-level 40 est la partie inintéressante comme sur 90% des MMORPG. Vous allez spammer le défilement des dialogues, faire des quêtes FedEx de base et quelques combats chiants au possible, le tout tout seul dans votre coin, même si vous avez la possibilité de grouper. Par contre, cette phase a le mérite de savoir qu'elle est nulle à chier, et donc elle est très courte. A partir du niveau 30+, et surtout à partir du niveau 40, vous allez commencer à rentrer dans l'aspect MMO, puisque le jeu va vous demander de faire des quêtes journalières qui nécessiteront de faire du contenu de groupe, que ce soit en donjon ou dans le monde ouvert. On est là aussi sur du très classique, à savoir compléter un donjon ou tuer X mobs dans une zone donnée, mais le jeu vous offrira un bonus d'expérience si vous le faites à plusieurs. Et c'est là l'un des points forts du jeu. On vous orientera très clairement à jouer à plusieurs dans la plupart des activités du jeu,
Et même si un outil de groupage automatique est mis à votre disposition, votre guilde prendra un aspect assez important pour votre progression. Vous aurez notamment une base de guilde à construire avec des bâtiments et des technologies à débloquer qui demanderont aux membres de réaliser des quêtes ponctuelles ou journalières via des PNJ ou un panneau d'affichage. Vous aurez aussi la possibilité de faire du mentorat, visant à aider un joueur bas niveau à monter des niveaux plus rapidement avec l'aide d'un ou plusieurs joueurs de plus haut niveau, tous les joueurs profitant d'un bonus intéressant. Une autre feature qui met en avant l'aspect multijoueur du titre et qui permettra de reroll facilement puisque des joueurs haut niveau auront intérêt à vous aider à rush du contenu. Ajoutez à cela que le jeu est aussi assez compliqué, puisqu'il dispose de nombreuses mécaniques assez différentes des autres titres et qui ne sont pas particulièrement bien expliquées, ce qui vous obligera à vous renseigner auprès d'autres joueurs. Tous ces points cumulés rendent l'aspect guild très important, et c'est un des rares titres où une guild vous servira à autre chose qu'à faire des raids ou des donjons. Concernant le contenu VHL, le jeu propose déjà à mon petit niveau 51 beaucoup de choses à faire. D'un point de vue PVE, le jeu propose des donjons avec des difficultés variées, dont certaines sont assez relevées actuellement, vu l'état de notre équipement. Vous aurez aussi la possibilité de faire un donjon solo, dont vous pourrez voir votre classement par rapport au reste du serveur. Le jeu proposera par la suite d'autres donjons avec des difficultés variées, ainsi que des raids 10 et 20 joueurs. Vous avez aussi un système de réputation à monter avec des quêtes journalières et des événements publics qui apparaissent régulièrement sur la carte, un peu à la Guild Wars 2. D'un point de vue PVP, chaque semaine, un champ de bataille spécifique est disponible. J'ai pu tester le 20-20 en mode capture de points et le 10-10 qui propose une carte un peu à la MOBA, avec des vagues de monstres qui pushent vers la base ennemie sur 3 voies différentes. Autant le 20-20 était relativement insipide, avec une carte désertique assez peu inspirée. Autant la carte 10-10 est très intéressante à jouer. J'espère par contre qu'à l'avenir nous aurons le choix du champ de bataille sur lequel nous voulons jouer. Il pourrait être frustrant d'être limité à un champ de bataille spécifique par semaine. Vous débloquerez au niveau 50 des arènes 3C3 que je n'ai pas encore testées. Le jeu vous proposera aussi des events certains jours comme par exemple un Battle Royale où une dizaine de joueurs seront lâchés sur une carte et seuls les derniers survivants pourront atteindre la manche suivante. Le samedi soir, un event PVP global est aussi proposé qui permettra de capturer des zones du jeu, mais nous n'avons pas pu les tester le week-end dernier. Il est aussi possible de faire des guerres de guildes que je n'ai pas pu tester non plus. Enfin, il sera possible à partir du niveau 40 de passer en mode JCJ dans le monde ouvert, limité par un système d'infamie qui, si vous répétez les agressions contre d'autres joueurs, vous rendra hostile aux gardes. Vous aurez la possibilité de faire redescendre votre niveau d'infamie via une quête répétable. Enfin, dernier point, vous aurez la possibilité de monter des métiers, comme la chimie, la cuisine, le travail du bois, le travail du minerai ou la couture. De même, le système est assez complet et intéressant, et vous proposera des équipements d'une qualité équivalente voire supérieure à ce que vous propose le PVE ou le PVP. Par contre, les métiers sont assez difficiles à monter, notamment à cause du fait que vous disposez d'un droit limité de points d'artisanat à dépenser par jour. Dans l'état, les métiers me semblent trop compliqués à monter et nécessitent de passer par le cash-up pour être vraiment viable, et je vais revenir sur le cash-up un peu plus tard. Bref, le jeu propose un contenu solide, que ce soit en PvE ou en PvP. J'ai quelques craintes que les quêtes journalières deviennent répétitives à la longue, mais c'est un standard dans le monde du MMO malheureusement. En tout cas, si le jeu vous accroche, vous aurez de quoi vous occuper pendant un bon moment. Alors à m'écouter, le jeu me semble presque parfait, mais bien entendu ce n'est pas le cas. Revenons sur ce fameux cash-up, qui me fait en partie grincer des dents. Ce dernier propose du classique, comme des tenues, qui sont au passage pour certaines très jolies. Par contre, vous trouverez aussi des éléments qui vous faciliteront votre progression, comme par exemple un système premium qui vous proposera de nombreux bonus. Le système de premium ne me dérange pas en soi, c'est l'équivalent d'un abonnement sur un autre MMO. Petite particularité ici, il est appliqué par personnage, et non à tout votre compte, pour un coût d'environ 1€ par mois par personnage, ce qui est pratique pour les petits budgets. Dans ce premium, outre les bonus d'expérience et de monnaie proposés, vous avez notamment la possibilité de récupérer vos points d'artisanat hors connexion. Sans ce bonus, il vous sera très difficile de monter vos métiers, car vous aurez besoin de plusieurs personnages pour tout faire. L'idée étant de récolter avec quelques-uns et de crafter avec d'autres. Ce qui rend l'abonnement sur plusieurs personnages obligatoire si vous voulez monter vos métiers, sinon vos points d'artisanat ne remonteront que sur le personnage actuellement connecté. Et au vu du coût en points par craft, vous serez rapidement bloqué. A côté de ça, vous aurez aussi d'autres bonus premium activables, permettant d'améliorer votre expérience gagnée par personnage, de pouvoir ressusciter sur place gratuitement ou de limiter la perte d'endurance de vos montures ou de vos ailes, et de partager leur vitesse de déplacement entre elles. Parce que oui, chaque monture et elle est améliorable, ce qui augmente drastiquement leur vitesse, par contre ce bonus n'est pas partagé de base. Il vous faudra donc améliorer chacune de vos montures et chacune de vos ailes si vous voulez les utiliser toutes de manière optimale, ce qui n'est pas évident à faire sans le cash-up. Dans l'état, les bonus offerts par le cash-up est très important. Il a l'avantage d'être à prix réduit si vous ne vous concentrez que sur un personnage. Je ne suis pas encore capable de dire si le jeu est pay to win, mais il faut potentiellement vous mettre dans l'idée que c'est une possibilité assez forte. L'avenir nous le dira. Autre point problématique, le portage du jeu. Comme je l'ai indiqué auparavant, le jeu est de base relativement compliqué. Les menus sont assez peu ergonomiques, les indications en jeu assez pauvres. Ajoutez à cela une traduction calamiteuse, le titre n'est pas très accrocheur de base. Il nous était promis une traduction française du jeu, ainsi que des serveurs dédiés. Honnêtement, la traduction anglaise actuelle du jeu est digne de Google Trad, et je pense qu'on va bien se marrer le jour où on va lire les traductions françaises. Autre point problématique, le ping. Sur le serveur Coral, nous avons un ping constant de 100 ms, sachant que je suis en ADSL. Les autres joueurs de ma guilde en fibre descendent à 80 ms au mieux, ce qui reste beaucoup et peut poser des soucis pour les corps à corps notamment.
Autre point qui m'agace fortement, les goldsellers. Alors ce n'est pas tant les goldsellers qui me gênent, mais le système de blocage. Comme pour beaucoup de jeux, vous disposez d'une blacklist, qui permet de ne plus voir les messages des concernés. Cette liste est limitée à 50 noms, et je peux vous dire qu'elle est déjà pleine. De plus, elle n'est pas partagée entre tous vos personnages, et vous devez donc la refaire pour chaque rôle. Ça commence à devenir pénible qu'à chaque nouvelle sortie de MMO, on se paie ce système complètement pourri et qu'on passe chaque jour 15 bonnes minutes à bannir des noms pour avoir un chat propre. J'espère qu'un système à la Black Desert Online qui permet de bannir des mots sera mis rapidement en place. Du coup, conclusion sur Révélation Online, bien ou pas? Si vous cherchez un MMO révolutionnaire jamais vu, clairement ce jeu ne rentre pas dans cette catégorie. On est ici sur un jeu relativement classique, mais très bien ficelé. Le jeu souffre de graphismes un peu dépassés, mais dont l'esthétique et l'animation rattrapent le tout, donnant un rendu satisfaisant, bien que peu optimisé lorsque de nombreux joueurs sont rassemblés sur un même point. Le gameplay est standard, mais efficace, et relativement dynamique. Chaque classe propose son univers particulier qui rendra le rolling intéressant. Le leveling est chiant, mais assez rapide, ce qui permettra d'accéder au contenu de groupe et endgame facilement. Et c'est sur cet aspect que le jeu se rattrape, puisqu'il propose de nombreux contenus de groupe, ce qui rend l'aspect social du titre plus intéressant que la moyenne, tout en vous proposant assez d'activités variées pour vous satisfaire pendant un bon moment, que ce soit en PvP ou en PvE. Le cash shop propose des avantages non négligeables, mais assez low cost si vous ne vous limitez qu'à peu de personnages. Par contre, il y a des risques qu'il soit pay-to-win, mais l'avenir seul nous le dira. Au final, est-ce que je vous conseille ce jeu? Eh bien, indéniablement. Si vous êtes blasé par votre MMO actuel et que l'aspect asiatique du titre ne vous rebute pas, foncez sur ce jeu, d'autant plus qu'il est gratuit. Je vous incite par contre fortement à trouver une guilde, puisque le jeu est relativement compliqué et qu'en plus la traduction anglaise n'est pas vraiment de qualité. Si l'anglais vous rebute, attendez quelques temps que la traduction francophone sorte, bien qu'elle sera elle aussi probablement d'une qualité discutable. Le titre est solide, bien qu'il ne rentre pas dans mon top MMO, il n'en est pas très loin derrière. Voilà voilà, cette vidéo review est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aidera à vous lancer sur le jeu ou au contraire à ne pas y perdre votre temps s'il ne vous convient pas. Quoi qu'il en soit, on se retrouve pour la prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien !